Je lève les yeux vers les montagnes. Il y en a quelqu'un pour la barre en face? Oui, ça va être plus à rapporter. On la tire, je pense. Si nous sommes perdus loin de toi, tu viens nous prendre dans tes bras. Par tes blessures, nous sommes guéris. Tu sais que nous Bonjour, monsieur Bouvet. Bonjour à vous. Qui sont ces personnages qui viennent d'intégrer l'église? Voilà, alors nous avons le centre Saint-Jean-Paul II. Et comme de chaque côté, Sainte-Marguerite-Marie et Sainte-Faustine. Est-ce que vous avez reçu des grâces particulières, puisque c'est l'année de la miséricorde et que c'est un triptyque sur la miséricorde? Est-ce que... Ben, ça vous a permis d'approfondir le thème? Ah oui, on n'a jamais fini de l'approfondir, à vrai dire. Je me considère toujours comme un commençant, en toute chose, même en sculpture d'ailleurs. Hein. Plus on avance, moins on a l'impression d'en savoir et moins on a l'impression qu'on va arriver à bout de son ouvrage. Mais bon, on y arrive finalement. On y arrive. Mais au départ, alors bien sûr, le dessin, c'est très facile. Et puis quand on est confronté à la matière, voilà, bon, mais je pense que c'est pas mal sorti quand même. C'est de la pierre de Lavoux. Lavoux est un village près de 20 km à l'est de Poitiers. Bah, il se trouve qu'elle est tout à fait en harmonie de couleurs et de texture avec l'église, mais c'est une pierre que j'utilise très souvent. Oui, c'est une pierre à laquelle je suis fidèle. Oui, bah, Saint-Joseph et la Vierge sont déjà dans cette pierre-là, hein, c'est toujours... Il a presque fallu la mettre un millimètre de plus. Il n'y a pas de confort dans ce travail. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de savoir que c'est destiné souvent ce que j'ai à faire à des communautés qui vont prier quotidiennement devant. Donc il faut quand même... être un peu à la hauteur, quoi. C'est-à-dire c'est pas du tout un objet décoratif, il faut vraiment que ce soit un auxiliaire et une aide à la prière, quoi. Et on a ça en tête tout le temps. Voilà, bon, tout en se considérant tout à fait indigne de cette mission, mais il faut l'accomplir quand même.